très bien puisque je remporte le titre de championne de France. Et, enfin, je garde le titre que j'avais déjà gagné en 2019. Du coup, je suis hyper contente. J'ai bien grimpé, je me sens en forme en ce moment et du coup, c'est cool que ça se concrétise. Et ça s'est joué beaucoup dans la tête et j'ai bien su gérer la compète, donc je suis hyper contente aujourd'hui. Pour moi, ça s'est passé hyper bien parce que je gagne de nouveau. C'était juste impensable il y a deux mois, je reprenais à peine la vitesse. J'avais du mal à terminer mes séances, c'était dur, j'étais pas très bon, j'étais même nul. Et voilà, je me suis entraîné. Je me suis inscrit au dernier moment à la Coupe de France de Besançon et au championnat de France de Massy en me disant qu'il fallait que je me confronte à la compétition, que je me confronte à la difficulté, même si je n'avais pas le niveau de reprendre la compète. Et là, je gagne. Je me sentais bien sur le début de la compétition, je me sentais plutôt mieux sur les qualifs, un peu moins bien sur les phases finales, mais j'ai fait les bons runs quand il fallait les faire. Et je reviens avec cette médaille exceptionnelle. Encore une, et franchement, une des plus belles de ma carrière parce que c'était vraiment dur. Ces derniers mois ont été vraiment durs. Donc voilà, je remercie déjà toutes les personnes, tous les Calédoniens qui sont venus avec moi, toute ma team, ma femme qui est là, et toutes les personnes qui m'ont supporté, qui m'ont soutenu et gagné ici à Massy. C'est hyper important pour moi parce que c'est un club de cœur. Hein. C'est mon ancien club et quand je suis ici, je suis à la maison. Donc merci à toute l'organisation.